Allez, encore une petite pause café, puis direction la machine à sous au Golden Unicorn. Ça, c'est un jeu que je teste pas souvent. Il est un petit peu moche, mais bon, tant que ça paye, c'est le principal. Alors, bien sûr, comme toutes les machines à sous, ça paye que temps en temps. On va commencer avec des mises à 25, on va pas abuser d'entrée. Terre, faut les trois châteaux. Espérons que ça tarde pas trop. Allez, une petite montante qui va soit rapporter, soit coûter cher. Bon, ben là, apparemment, on a eu la version où ça coûtait cher. Et on a 0 win à la clé. Alors, un petit troisième. Un petit troisième, dommage. Ça aurait été pas mal. Alors 9335, mise à 43, là c'est peut-être... Ah, Big Win 1312, tant mieux. Comme je disais, c'est peut-être la partie qui va bien défoncer le sol, mais bien comme il faut. Donc reste à espérer qu'il y ait du win à la clé, mais bon ça c'est bien sûr... Il n'y a aucune garantie à ce sujet. Ouais, 47-25, rien de faramineux. Un petit troisième, pas encore. Alors, triple licorne. Ah ben voilà, ça c'est du big win. Hein. Comme quoi, un jeu qui paye pas de mine, des fois, ben, ça peut envoyer du très lourd. Alors, 6728. Alors, voyons voir. Chiffre 17 is back, c'est pas mal. On va se calmer un petit peu du coup. Hop, allez, mise à 31-25. Après, ça boit des jeux qui payent pas de mine, il suffit qu'il y ait les bons symboles au bon moment, puis ça peut toujours raquer du big win. Mais bon, précision, c'est quand même plutôt relativement très rare. Rien qu'à voir les précédentes parties, comment le sol s'est fait défoncer, donc quand ça paye que dalle, ça paye que dalle. Hein. En tout cas, joli big win, on a eu les trois licornes magiques. Alors, 1600. Ah, 3 scatters, ok, j'avais les yeux rivés là-dessus.
Mais est-ce qu'il nous les faut? Ah ouais, il nous les faut apparemment de gauche à droite. Donc du coup c'est râpé. Alors chiffre 16, on va mettre les mises à 40 balles. Alors, je sais pas ce que ça a raqué tout à l'heure, ça devait être un fois 150 ou un truc comme ça. Alors j'espère qu'il va pas trop me faire attendre pour prendre les 3 skaters. Alors voyons voir. Alors jolie remontée, espérons que ce soit pas l'heure de la redescente. Alors on va essayer ça, 62,50. Le troisième on est bon, malheureusement non. Allez, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne? C'était pas la bonne. Bon, espérons que les mises à 60 balles, ça me craint pas le bénef quand même. Allez, the montante. 52,50 de récupérer. S'il me sort la 125, sans déconner, à 125 balles. Ok, je vais me calmer. Je vais même rien dire. Un feature trigger, allez go, 15 free spin, mise à 125. Alors, me fais pas le coup du gros rat qui paye que dalle. Et ben ça, c'est une montante chanceuse, hein, parce que franchement. Enfin, là pour le moment ça sent les cacahuètes. Ah ouais, cacahuètes niveau win. Alors là s'il me paye même pas 1000 balles, c'est franchement les boules. Hein, mise à 125. Alors 500 ici. On n'est même pas un x10 par rapport à la mise. Eh ben il était temps qu'il me raque un big win, les deux licornes. Alors combien, combien? Eh ben Monster Win encore. Ouf. Voilà, chiffre 21 de retour. Bon ben ça, ce fut une montante hasardeuse, mais c'était pile poil au bon moment. Bon, c'est clair que je tente souvent l'expérience et c'est rare que ça sorte. Eh ouais, 4840 balles. Alors chiffre 21. Ah, est-ce qu'on continue la partie ou est-ce qu'on se barre? Ouais, je pense qu'on va se barrer quand même, on va rester là. En tout cas, sacrée jolie performance. Allez, petite pause.